Surtout lire le Coran, en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi, je viens d'une culture chrétienne, enfin catholique. Et, dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je ne trouvais pas cohérentes ou logiques. Donc, je m'en étais écartée. تذكرت تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. ما هو شعورك الآن؟ Justement, quand je lisais le Coran, je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà, même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et qu'on peut être très riche ou puissant, mais sans lui, on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et c'est... Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... que si, je sais pas, à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas... سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة، عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى، تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين؟ ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا. متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن. يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة نرنو لها وسماؤها